Insouciance ou inconscience? Comme si les choses étaient immuables. Installés dans notre petit confort, nous ignorons les caprices de la nature. Les éléments nous le rappellent pourtant régulièrement. Sur cette planète, nous sommes fragiles. Cities have been swallowed. Thousands are dead. An earthquake measuring 9.0 in magnitude caused a tsunami that sent waves crashing along Japan's east coast. And the threat of more danger emerges. The Fukushima Daiichi nuclear power plant is still unstable. Explosions and fire. Que pourraient faire nos sociétés pour mieux anticiper et se protéger plus efficacement des événements extrêmes? Face aux aléas qui menacent le territoire français, quel choix a fait notre pays en matière de prévention des risques naturels? L'IRMA est une association chargée d'informer le grand public sur les risques majeurs. On peut définir le risque naturel à travers la formule toute simple, aléa fois enjeu. L'aléa, c'est un phénomène qui survient sur un territoire donné sur lequel on a des enjeux économiques, environnementaux, mais principalement humains. Comment on peut prévenir les risques naturels? Je peux agir sur l'aléa en réduisant l'apparition du phénomène, ou je cherche à réduire la vulnérabilité, à réduire l'exposition des enjeux qui existent sur le territoire. La France n'est globalement pas exposée à des niveaux d'aléas très forts. Mais elle peut être touchée par des inondations, crues lentes ou rapides, des submersions marines, des mouvements de terrain et chutes de blocs, des feux de forêt, des avalanches et des séismes.